à tout le monde qui branche Heidi News Hour dans l'ESA, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez intéressé, pas oublier abonner avec chaîne et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur chaîne ça, que vous avez une information sans problème. Dans la commune Liancou, depuis le matin, côté bandit et Zamio, attaqué les gens qui ont circulé sur la route Liancou, eh bien, la vie est en catastrophe. Qui bilan que nous gagnons jusqu'à présent? Gagnons deux policiers qui mourent. Gagnons quatre bandits qui t'a mouru. Pour qui ça nous dit qui t'a mouru? Deux policiers qui mourent, bandits ça vient tout aller à cadavre policier. Et bandits gagnent trois âmes dans main que yo prend dans main policiers qui ont mouru, qui ont tué. Une des âmes ça c'est Zam qui lance gaz lacrymogène. Et qui ont galil avec un autre Zam que pas tellement bien ne but de et modèle Zam de type Zam nié. Ensuite, monsieur Bandi a deux backup la police en main. Machine commissariat Liancoua, monsieur a avec lui et gagne un autre backup qui c'est une machine commissariat Saint-Maclan Bandi a à clé. De la rivière Piti, monsieur traversé avec tous les deux machines qui actuellement dans la base ça vient. Et monsieur gagné cadavre deux policiers dans méo avec tout uniforme, toutes amio nèg yo entré avec yo. Gagné deux policiers qui blessé yon la dedans grièvement. Et gagné trois policiers qui a cherché jusqu'à présent yo poko wè yo. Donc trois policiers ça yo, c'est trois policiers qui t'a pour le moment porté disparu. Bilan lourd, deux policiers mouri, bandio allé avec cadavio et cadavio konya yo nan base grand griffe ça vient. Gagné quatre autres cadavres, yo dit ces cadavres bandio. Non pas gen non yo, non pas konnen qui est sur yo, mais nous konnen que gagné l'autre monde qui mourit, qui t'a assimilé à Bandi, et qui deux policiers que Bandi a avec eux. Tous les six cadavres, ça y est, dans mes Bandi. Et est-ce que dans trois policiers qui disparaissent, est-ce que tu as gagné dans quatre autres cadavres qui pas identifié, tu as gagné un policier là-dedans et qui était en civil, nous pas connaître. Mais n'a continué fouiller information pour vous pour nous connaître exactement l'autre quatre cadavres qui est sur eux. Si c'est bandit qui non bandit, est-ce que c'est bandit ça vient, est-ce que c'est nèg ça vient, est-ce que c'est nèg sur l'autre côté qui vini ça vient qui mourit jodi a dans affrontement qui te gagné entre bandit avec la police. N'a précisé que bandit c'est pas commissariat Liancoua qui a été attaqué. Monsieur, c'est dans la zone Moroyankou et dans la zone Pont Rouge que yo attaqué les policiers. Est-ce que c'est les policiers qui étaient dans le backup qui étaient dans la zone où monsieur attaqué? Est-ce que c'est les policiers qui ont vu porter renfort par les policiers Liancou qui étaient déjà subi une première attaque dans la zone avec deux bandits? Ça vient yo. De toute façon, je dis à Bagala, c'est très compliqué pour les policiers. Et les policiers qui gagnent la vie sauvée, c'est grâce à la population. Parce que les policiers, en pile là-dedans, sont obligés de courir pour capable de sauver pour eux. Gagnent qui prend tête monde pour eux. C'est les gens dans la zone qui encadrent eux, mettent en dancaille, montrent eux autre route pour eux passer, pour eux être capable de sauver pour eux. Dans le courir que tu gagnes, gagnent trois policiers jusqu'à présent qui peuvent retourner dans la base, qui peuvent retourner. Et dans le commissariat, il y a cherché, il n'y a pas répondu à l'appel. Donc, deux policiers qui mourent, M. Savien, tout rentré dans la base avec deux M. Savien, et il y a deux machines de la police dans la main, ils ont traversé la rivière là avec lui, parce que la rivière après, c'est pas de la donne, et dans la zone côté ils ont passé, la rivière plate, ils ont fait route, ils ont traversé avec tous les deux machines, ils ont allé dans la base Savien avec eux. Gagné yon kante, la police dit que
li saisi nan même monsieur. Kante sa, c'est un kante qui était chargé avec cabrit que moun tap sorti dans zone dans zone Verrette ou bien la Chapelle pour tal vendre pour sonder. Monsieur Bandi ça vient ou te prend kante sa tout cabrit yo. Nèg yo prend cabrit yo entre dans base ça vient à cabrit yo et kante sa yo t'a pas utiliser pour tal craser en barricade. Les nèg yo rivé puis al craser barricade là yo dit mais la police nèg yo couri quitté machine là et la police récupéré kante sa mais c'est pas au kante comme quoi c'était nèg yo qui vinn avec c'est un kante qui était chargé avec cabrit moun t'a pral vendre nèg yo kidnapper machine là yo prend toute cabrit yo et yo t'a utiliser machine là pour t'a craser en barricade qui yo t'a metté pour yo pas capable yo même passer donc bilan li extrêmement lourd. Deux policiers mouri et cadavio nan main base grand griffe ça vient nan moment n'a parlé là gagne quatre lots moun ki mouri ki ta bandi mais interrogation parce que gagne trois policiers jusqu'à présent qui poko répondre à appel yo pa konnen côté yo donc situation très compliquée jouk nan moment n'a parlé là pas gagne personne moun ki connaît ça qui a passé la police pas qu'à retourner dans zone là malgré gagner deux backup et qui sorti Port-au-Prince qui vini dans commune dans commissariat dans sous-commissariat et Mopel là alors commissariat et qui n'a pas choix là nèg yo là mais pas venir avec aucun matériel blindé yo vini avec deux pick-up Zoreke donc machine ça yo et pas machine blindé c'est pas machine qui ca aller dans opération gagner direction départementale police là qui mettait dehors yon communiqué et nan communiqué ça la police fait connait que yo était nan laissé frapper jodia avec bandio donc dans laissé frapper ça d'après ça yo dit gagner et 6 bandits yo dit yo même qui mouri. Mais qui sa note la police la dit? Direction départementale police la Tibonite. Deux policiers blessés. 6 bandits dans gang sa vie mouri dans une attaque bandit contre commissariat Liancourt. Commissariat Liancourt subit 3 attaques bandits journée mercredi 25 janvier 2023. Ça c'est note la police là que n'a pli pour là. La police dit première attaque la faite bonnet dans matin à 7h dans localité Moro. 3 bandits tombés, yon replié à Cadavio dans base Savien. Bataille ça a été duré 1h45. D'après la police toujours, deuxième attaque là, li fait à 10h. Yon prend yon lot échec. Yon couri quitté, yon kante, yon te la donne, machine ça sous contrôle la police, yon replié encore, bataille ça a été duré 20 minutes. Kante ça m'a dit la police a parlé de l'IA, c'est yon kante qui était chargé avec cabrit. Que moun ta pral vann pour sonde. Monsieur Bandi yo prend tout cabrit yo, yo rentre dans base Savien ak yo, nèg yo volé cabrit yo et puis yo lagué machine nan. D'après la police, troisième attaque la fait à 11h18 ak plus renfort. Yo attaqué sous deux fronts. Bataille ça a duré 2h26. Gen deux policiers qui blessés, trois bandits tombés encore. La police perdit deux machines pendant policiers yo tap évacué confrère yo. Donc la police dit le perdu. L'autre dit perdu. Les antigens prêtés à équivoque, ce n'est pas perdu. Bandio prend deux machines la police. Donc Bandio prend deux backup la police. Premier élément rapporté. Ça c'est note que la police mettait dehors que dans Baou là. Premier élément rapporté. Que balle qui blessait policier, c'est un calibre 9 mm. Que moun nan population yon kou kapapye bandi yo ta tire policier nan do. La gon problème. Information que nous gagnons, c'est que c'est population qui sauve policier yo qui fait que reste policier qui te la yo, qui pa mouri yo, yo pa victime. C'est la population qui se réunit nan kay, passe ak yo kote pou passe, prend moun ak yo qui fait que sauve la vie yo. Donc, question que c'est moun nan population qui tire. Et policier yo nan do. Donc là gon ti problème. Cependant, n'a dit que gagne un policier, ça qui pi grave là, monsieur
couché l'hôpital, non pas qu'à dire dans l'hôpital, monsieur recevait une balle dans dos qui percé, qui même percé l'estomac. Donc c'est monsieur qui pique grave, il y a un autre qui prend une balle dans l'épaule. Donc direction départementale là et la police la tribune a préparé une contre-offensive pour déloger bandits ça vient yo dans un temps qui pas trop long. Ça c'est notre département et police départementale la tribune là mettez dehors. La police promet l'autre commissariat sous toute évolution. Alors la police promet l'autre communication sous toute évolution situation dans Liankou. Direction départementale la félicité courage et détermination policière dans lutte contre bandits dans la Tibonite. Population a toujours rappelé le sacrifice nous t'ai fait pour nous permettre de vivre libre et déplacer tout côté y a besoin aller. Gonaïve, 25 janvier 2023. Service départemental communication la Tibonite. Ça c'est version la police là. Mais nous-mêmes enquête que nous menons, information que nous joignons et nous gagnons en pile photo à l'appui, nous gagnons en pile photo qui viennent joindre nous. Donc de monde qui collaborent avec nous, qui voyaient photo ban nous. Donc photo ça yo, nous gagnons là, gagnons deux policiers qui mouri avec tout uniforme sur yo avec tout zamyo et bandi sa vient yo aller à cadavre gagnent deux policiers qui blessés et gagnent trois policiers qui pour répondre à l'appel gagnent quatre autres cadavres que monsieur bandi à la kyo. Est-ce que c'est bandi qui mouri nous pas connaît n'a cherché connaît est-ce que c'est bandi yo et qui nos bandi ça yo nous gagnent non policiers yo. Mais nous avons pas gagné non complet yo et nous pas voulu bay non policiers qui victime yo mais nous gagné non yo et nous gagné et policiers qui mouri yo nous gagné non yo et policiers qui blessé yo nous gagné non yo et policiers qui pas rentré yo nous gagné quelques non parmi toi yo. Donc situation extrêmement grave, situation extrêmement difficile. Radio Pyramide FM fait le devoir pour qu'il est capable d'informer la population de ce qui a passé jeudi à dans la commune Liankou, côté depuis grand matin, M. Bas Gangif Savienyo, M. Yo débarqué dans la route Liankou dans la zone Moro, et côté M. Yo ouvert coup de zam, nèg yo volé, yo déchapillé, yo et la police qui t'a essayé et n'ta ka di mettre la paix, et ben la police pas arrivé mettre la paix au contraire, police yo victime. Et situation poko clair. Dans moment n'a parlé là, pas gè personne moun ki capable aller dans zone côté affrontement, ou te fait là parce que monsieur yo di y a tourné. Monsieur Savien yo nèg yo fonti déplacé yo di a retourner encore. Donc ça veut dire nous poko capable ba ou tout détail ça gagne actuellement la connia dans zone là. Seul ça nous connaît c'est que gagne deux backup gagne deux backup Simo ou bien USGPN pas tout détail de uniforme nèg yo et de naki et unité qui est sorti mais nous connaît que gagne deux zoriquins qui chargé avec policiers qui sorti Port-au-Prince qui rivé là par un côté passé en tout cas il rivé là monsieur pourquoi ka aller dans zone là parce que pas gagne qui clair d'ailleurs il commence à faire noir la très difficile pour monsieur tal dans zone là il pas gagne spotlight il pas connaît côté bandi yoyé pas croire que il est prudent pour policiers qui déjà victime ta va aller là ça pas gagner en ken contrôle ça pas gagner en ken garantie que côté pour mettre pied yo li safe. Donc encore une fois la police continue à compter cadavre, la police continue à victime et bandi yo même yo continue à faire la loi, yo continue à simer la terre. Gagner yon char blindé qui était dans Kafoupé là. La police a essayé aller à Kshasa dans zone Liankou pour tal porter policier yo secours pour tal bayo backup char tout en panne. Donc char pas est arrivé de tout en panne. Est-ce que autorité Port-au-Prince qui gagne deux chars qui pas
qui pas une opération qu'on y a, est-ce que pas capable venir avec en deux blindés, en trois blindés pour ta venir supporter policier la Tibonite pour ta au moins permettre que nèg yo faire une opération en règle pour ta tout fini avec base gang qui ça vient comme pas gain volonté la caille autorité surtout autorité centrale yo yo pas faire ça mais situation qui a développé là c'est pas une action qui fait c'est pas un bagage qui fait et mais la vienne plus grave donc jodi hein ça fait troisième policier que bandi ça vient yo touyer c'est eux touyer à main yo dans opération que t'as fait déjà dans deux ou trois opérations que la police essaie de mener dans base gang rifle même dans ça vient t'ai un policier qui était blessé et qui t'a allé mourir sur cabane l'hôpital dans l'hôpital la paix dans l'hôpital Mibalea et jodi a monsieur yo tué deux policiers et yo tout allé avec cadavre yo tout prend zam ki nan men yo et yo tout prend machine policiers yo tap circulé donc en plus de en pile l'autre machine particulier que bandi sa yo te gen nan men yo jodi a monsieur gen deux backup la police nan men yo. Est-ce que situation ça pas pral révolter au moins conscience autorité nous yo autorité dans tête yo autorité principale yo direction générale police là CSPN Roi Henri est-ce que pas gon bagaille qu'a fait jodi a après ça qui passé là dans la Tibonite là côté bandi yo montré que yo pas gen ken limite est-ce que pas gon bagaille qu'a fait pas oublier n'a redit ça encore ça vient pas lianco lianco pas ça vient si monsieur bandi au cadre traverser fleuve la Tibonite au traverser de l'eau pour venir imposer au côté imposer là puis n'ta ka dit imposer même sur la police pour mettre la police en déroute et pour monsieur a victime policier dans situation ça qui ça bandi pas ka faire encore qui sa autorité nous représente? Qui sa CSPN nan vo? Qui sa autorité qui la yo représente? Si bandi yo, si yo même ka fè la loi, yo fè sa yo vle, yo retire la vie moun yo vle, même policier qui gen zam nan me yo, qui la pou bay pou la bay sou population en sécurité, yo pa en sécurité, ap moui, qui sa bandi yo pa ka fè encore? Et là, monsieur, sa net trop! Li pas possible sacrifier à la li pas possible li pas ka continuer comme ça monsieur li pas possible monsieur si n'a bay bandi au pays a bay bandi au pays a pour diriger li pas possible nous pas ka quitter police a mourir comme ça nous pas ka gagner autorité dans pays a pour petit groupe vagabond pied à terre a faire ça faire là yo fait la loi et puis personne moun pas ka dire rien. Nous avons autorité dans le pays, nous avons quitté moun ap mouri, nous avons quitté bandi ap fè sa yo vle, li pa possible. Monsieur, li pa possible. Monsieur, si n'ap bay bandi au pays, bay bandi au pays, et puis dit tout moun, fouye tout, entre en bate, et puis pour nous quitter bandi ap fè sa yo vle. Mais li pa possible, monsieur, li pa possible, li pa possible. Li pa possible. Malé.